concerning education, work and family. Thank you very much. De ma voix aujourd'hui parce que je suis musicienne. Je suis aujourd'hui parce que je dois chanter et apporter un peu de rayon de soleil dans ce programme. Donc je suis contente de pouvoir apporter ma voix dans cette campagne de sensibilisation parce que ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Dans l'arrière-pays, vous savez, ce n'est pas évident comme à la cité. Alors lorsqu'on m'a dit Sanzi, on a besoin de toi pour cette campagne, j'ai pensé aujourd'hui vous offrir un parmi-mille. Je suis originaire de la Léguier et mon nom signifie Sanzi le soleil. Donc, en ma langue, un parmi-mille signifie femme de valeur. Vous savez que tout homme vient des entrailles d'une femme. Donc nous les femmes, nous avons un rôle à jouer dans cette campagne. Parce que c'est nous qui donnons la vie et c'est nous qui devons mettre la pression pour que lorsque notre bébé vient au monde, qui est l'acte de naissance. Lorsque nous nous marions, même si nous ne mettons pas la pression, l'acte de mariage, c'est important. Et lorsqu'il y a un décès, nous devons peser pour être certaine que l'acte de décès a été établi. C'est à nous de porter la nouvelle, c'est à nous de sensibiliser. Tout le monde doit sensibiliser, mais j'ai choisi Mbarminga parce que je suis persuadée que toutes les femmes camerounaises sont des femmes de valeur, que ce soit en ville ou dans l'arrière-pays. Et ce message est autant pour la femme urbaine que pour la femme rurale. Donc, avec mes anges, on va faire un petit bout de Mbarminga pour que ce programme d'aujourd'hui soit magnifique. Est-ce que vous voulez bien qu'elle fasse à l'ombre?
Mais avant tout, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre quartier en tant que président de l'association des voisins de cette salle de fête. Un taux de mortalité excessif dû à une sorcellerie récurrente pilotée de main de maître par le deuxième adjoint du chef de quartier qui discute le terrain avec les autochtones. Entre autres, vous voyant si nombreux, ne sachant pas d'où chacun vient, je me permets de jeter un caillou dans la mare afin de vous dire que nous souffrons de délestage dans ce quartier. Les bacs à ordures sont devenus des objets de ornement. Les enfants versent les ordures à côté des bacs et ce n'est pas normal. La jeunesse de notre quartier boit déjà trop. Nous, les parents, ne réussissons plus à avoir les bières glacées parce que les jeunes ont tout bu. Chers invités qu'on ne connaît pas, nous voulons aussi vous appeler à manifester votre élan de générosité en dotant le président de l'association des voisins que je suis. C'est bien ça. Très bien. Tu aimes le bavardage, non? Tu vas bavarder. Tu aimes le bavardage, non? Tu vas bavarder. Tout comme tu vas dans deux gens de plage, je ne sais pas ce que tu aimes. Si c'est ce qui t'a amené ici. Dis aux gens ce qui t'a amené ici, là. Dieu de toi, association des voisins, des voisinages. Excusez, les personnes de petite taille bavardent trop. Donc, c'est ma femme, va la maison. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas, il ne me coupe pas la parole. Soit tu dis aux gens pourquoi tu es ici, soit c'est moi qui vais me charger de le faire. Bon, attends, quand tu veux t'en faire là, c'est en train, tu es en train de me menacer. Tu veux pas parler? J'ai toujours dit que le mariage, le cabadjouma, le mariage où tu étais pas, tu avais le pain ici, c'était un pain bizarre. À chaque fois que tu poses ça dans la maison, il y a des comportements qui ne sont pas réglementés que tu as. Et moi, je vais te dire que je ne suis pas ton, ton mari, je suis ton mari. Ok, je vois que tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas aller voir. Chers invités, vraiment, mon mari que vous voyez, je ne sais pas si je dois l'appeler mon mari. L'homme que vous voyez placé ici, depuis que le bon monsieur est parti donner deux petits régimes pour qu'il est. Allez, vous m'excusez. C'est vrai qu'une femme ne devrait pas couper la parole à son mari. Si tu connais ça, non, si tu tues ça au moins, si tu connais rien, ça, qu'une femme ferme sa bouche, quand son mari est debout, c'est bon. Tu me laisses parler, non? Je disais tantôt qu'une femme ne devrait pas couper la parole à son mari. Pas qu'elle ne devrait pas, elle ne doit pas. Parce que c'est bon. Ne devrait pas. Vous ne devrez pas couper la parole à son mari, c'est vrai. Mais je vous assure, très chère femme, si nous les femmes, nous ne prenons pas certaines initiatives dans nos foyers, nos familles vont aller en vrille. Je vous assure que nos familles vont aller dans l'eau. Je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit que c'était mieux que si le régime de plantain. Attends, régime de plantain, le régime de 15 000. Pour aller mieux dans ton bien, où il n'y a pas la roue là. 15 000, tu insultes le plantain. Aussi, ne me coupe la parole. Voilà. Ne me coupe la parole. Je disais tantôt que depuis que ce monsieur est venu me donner, est venu dans ma famille donner deux régimes de plantain. Il me prend déjà comme si j'étais sa boniche, j'étais sa propriété. Non, il m'a épousé. Le mariage coutumier. Il ne veut pas qu'on aille signer un acte de mariage devant l'État civil. Attends, l'acte. Tu as abusé. Attends, mon frère, quand la famille a marché, c'est là bon. Non. Ça, c'est bien comportement, mon cousin. C'est le conflit. Donc, parce que j'ai déjà bien entendu, maintenant tu peux passer de pavaner dans ta réunion de femmes là, avec la robe blanche, vous passez partout. Je ne suis pas. Oui, bon. J'accepte, je veux pavaner avec ma robe blanche. Ce n'est pas mon moi. Ce n'est pas mon moi, je veux pavaner la robe blanche. Je ne veux pas passer au théâtre de mariage. Je sais tantôt que depuis que celui-ci est parti donner vieux régime à mes parents,
je ne dois plus rien dire. Je ne pas, quand je pensais même à sa famille, mon Dieu, je me dis que si celui-ci meurt, je suis finie. Je suis finie. Fini que j'ai la pompe, tu vas aider toi. Toi, tu es là, tu as au moins des enfants que tu peux envoyer travailler, ils vont t'avouer. Ok. En parlant des enfants, laissons mon acte à côté. Les actes de tes enfants, tu les as déjà établis. Tu as établi les actes de tes enfants. Le bon monsieur, vous voyez cela. Tous les six enfants n'ont pas d'acte, enfin, sauf un. Et je me demande bien pourquoi. Depuis le jour où j'ai accouché Junior, mon mari était le premier devant l'état civil à aller. Établi l'acte de naissance de notre garçon, je n'ai pas compris. Écoutez-vous, allez pas ça. Écoutez-moi. Quand je fais l'acte du garçon, bon, ça peut se comprendre, c'est un garçon, le corps change, la bouche change. Maintenant, je vais aller faire l'acte d'une fille, après quelqu'un va venir, comme vous avez le don, vous les il va porter un mari, qui va partir faire son nom. Moi, je vais dans la vie par rapport à quoi? Vous voyez alors? Le garçon, lui, va à l'école, il peut faire des études, il est un président de la République. Tu as vu le président de la République? Très bien. Une femme n'est pas. Il n'y a pas les femmes présentes de la République. Bon, ça dépend. Ah, ça dépend, hein. Ok. Vous voyez donc, ce sont des attitudes rétrogrades comme ça qui dévalorisent la femme dans la société. Je comprends quand t'es. Je pensais que je venais ramasser je ne sais pas, la poubelle, mettre chez toi, n'est-ce pas? Je disais donc tantôt que ce sont des attitudes rétrogrades comme ça là, qui dévalorisent les femmes dans la société. Nous allons prendre par exemple du côté du Nord, le Grand Nord. Nous avons 39% des naissances féminines enregistrées. Pendant que les garçons sont à 69%. Je dis que ce n'est pas normal. Donc je suis gynécologue. Ce n'est pas normal. Donc je suis gynécologue pour faire les échographies, pour voir les garçons qui vont être. Mais la société, c'est même quoi avec toi? C'est même quoi? C'est même quoi même avec des gens qui partout. Maintenant là, tu veux me donner la récit. Donc tu connais même aussi que les gens meurent. Parlant de mort, qui dans ta famille a déjà établi un acte de décès? Je t'arrête. Mon oncle avait le meuble. Mon oncle qui avait le meuble, on a fait son acte de décès. On a fait son acte de décès. Oui, Charles, ton baga. Oui. Depuis que le jour ton baga est mort, c'est parce que tu croyais que tu étais les petits immeubles avec tes enfants là-bas, quand on est parti, tu te dis devant qu'il faut l'acte de décès. Si tu ne te montrais pas, tu allais savoir comment faire l'acte de décès. Si tu veux travailler à un bébé, vous faites le mal. Tu allais savoir comment faire l'acte de décès. Même avec la mort, vous faites la discrimination. Même avec la mort, on fait la discrimination. Bon. Que même le nombre de dates de décès établi est à 31% pour les femmes bon. Et 69% pour les garçons. Est-ce que c'est normal? Quand on meurt, on fait l'acte de décès parce qu'on va faire les héritiers. Une femme, on fait l'acte de décès pour quoi? L'héritage, la fille, la femme. Donc, les femmes n'ont pas d'héritage. Vous partez dans les réunions d'abord, vous ne dites pas tout ce que vous devez déposer là-bas pour Marie, non? Vraiment, aussi. Je ne comprends pas. C'est vous qui avez besoin d'être répertorié. C'est vous qui dites que le pays va mal. Et quand vous allez demander à l'État de vous répertorier pour pouvoir faire des choses, pourquoi pas vous répertorier comment? Si les actes de naissance ne sont pas établis. Si les actes ne sont pas établis, on va répertorier les gens comment? Ce n'est pas normal. Attends, tu es bien dans l'institut national des statistiques. Tu travailles bien là-bas. Tu travailles. J'ai fait tout là-bas. Il fallait bien que je regarde. Bon. Parce qu'il fallait que je vienne parler avec les preuves. Peut-être quand je vais parler devant les gens, tu vas comprendre. Mais c'est le pop-corn qui saute beaucoup dans la main. Mais depuis le maïs, on ne saute pas. Calme, j'étais. Bon, tout le charabin que tu as raconté, on doit retenir quoi? Ce qu'on doit retenir, c'est que l'enregistrement des femmes, l'enregistrement des filles, des naissances féminines est autant importante que celle des naissances masculines. Parce que les filles aussi ont besoin d'éducation. Les filles ont besoin d'être, d'avoir une identité. Les filles ont besoin d'emploi et surtout même d'aller voter comme tous les hommes. Et à côté des hommes, chérie, je voudrais te dire un truc. L'acte, le mariage civil n'a aucun impact sur le mariage coutumier. Donc au contraire, ça renforce plutôt le mariage coutumier. Ça fait que la même famille te suit partout. Non, mais c'est pas ça. Et en plus, imagine-moi en train de signer l'acte de mariage. Ah, j'ai au bout de ça. Ça va renforcer les liens entre nous. Parce que l'autre jour, l'ami de Stella est venu me donner une bouteille de vin que tu as commencé à faire comme si. L'ami de Junior t'a déjà dit quoi? Donc, quand tu as un peu raison devant les gens comme ça, là, il faut tout le quartier sur le programme. Bien compris. On va aller faire des actes de naissance, on va faire des actes de décès, on va faire, on va, 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 on va,
qu'on a besoin de répertorier tout le monde pour que la statistique nous permette d'avoir des conditions de vie réparties pour vous. C'est ça, non? Du mariage. Il faut aussi applaudir pour moi. Et voici un mot que vous allez aimer. Est donc irrécevable d'ordre public, irrécevable. Toute action sur la validité du mariage fondée sur la non-exécution totale ou partielle d'une convention totale ou matrimoniale. L'adjectif qui vient de tout, c'est total. On apprend tous les jours. Pour l'instant, apprenons à donner le prix. Le premier prix, madame, on n'a pas retenu votre nom, mais nous appelons à immortaliser ce moment. C'était le premier prix. C'est très timide, les informations. Ce type d'habitude. Madame, mettez-vous donc face à la caméra, parce que la vie veut que vous soyez maintenant centrale. Hein, subjectif, la deuxième réponse. Deuxième réponse. Essayons donc de donner la réponse à... Oui, c'est vrai. Ici. Placez-vous de sorte que la caméra vous immortalise. On acclame. Applaudissons-les. Lors de la remise de ce prix. Les photographes me disent qu'ils sont prêts. Merci madame. Le tout dernier prix, qui est en réalité une prime au journalisme d'excellence, que nous attendons de vous dès demain. On les acclame. Donc, caméraman, si vous ne pouvez pas filmer. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, c'est le premier préjudice que vous pouvez lui porter, tout simplement. Vous enlevez une partie de son histoire. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, plus tard, ne pourra pas s'inscrire à l'école, ne pourra pas faire ses examens, ne pourra pas avoir une carte d'identité. Un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un enfant qui n'existe pas. Vous lui enlevez en somme son existence. Même quand nous inscrivons les enfants à l'école, généralement au niveau du cours moyen 2, ils ne peuvent faire ni leur entrée en 6e, ni leur certificat d'études, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Et en plus, soyons responsables, même quand on lui établit plus tard un acte de naissance, on lui aura quand même enlevé une partie de son histoire, puisque cet enfant ne saura jamais en réalité quel jour il est né. C'est la même chose, nous le voyons souvent avec l'association où les femmes viennent se plaindre qu'elles sont battues, qu'elles ne rentrent pas dans leurs droits, qu'elles sont répudiées sans aucun droit. Comment pouvez-vous prétendre à une quelconque aide ou à une quelconque pension alimentaire alors que légalement, en fait, vous n'étiez pas marié sans acte de mariage, il n'y a pas de mariage possible. De la même manière, vous ne pouvez prétendre à aucun droit si vous n'avez pas au préalable enregistré le décès de votre époux. Soyons responsables, protégeons-nous, protégeons nos enfants. J'invite toutes les femmes leaders, les femmes en politique, les femmes de la société civile, les écrivains, les maires, etc., à participer activement pour encourager l'établissement des actes d'état civil. Maintenant, tu n'as rien à voir. Maintenant, tu n'as rien à voir.
Du PAMÉ, représentée par la conseillère technique, Madame la représentante du ministre de la décentralisation et du développement local, tutelle technique du Lunet, Madame la représentante du ministre de la promotion de la femme et de la famille, Mesdames les conseillers régionaux, Mesdames les maires, Mesdames les chefs traditionnels, Madame la représentante de l'association Relief Cameroun, Mesdames les officiers des centres d'état civil secondaire, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom du directeur général du Bureau national de l'état civil, empêché, à l'occasion de cette cérémonie de célébration du rôle de la femme dans l'état civil organisé par le PAMÉ. Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma sincère gratitude à M. le directeur général du Bunet au PAMÉ, qui a bien voulu organiser cette cérémonie qui nous rassemble. Je saisis cette occasion pour féliciter les actions multiformes du PAMÉ en appui au Bunet pour améliorer le système d'état civil au Cameroun. Votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez au fonctionnement harmonieux de l'état civil au Cameroun en général et au rôle de la femme dans la promotion de l'état civil en particulier. Monsieur le directeur du PAMÉ représenté, Mesdames et Messieurs, le BUNEC est un établissement public administratif qui a pour mission d'assurer la supervision, le contrôle, la régulation et l'évaluation du système national de l'état civil. En tant que bras séculier de l'état du Cameroun en matière d'état civil, le Bunet conduit la réforme du système national de l'état civil qui vise à terme sa modernisation et la sécurisation accrue des actes qui en découlent. Le Bunet se doit de saisir toute opportunité pour la promotion du système de l'état civil. C'est particulièrement le cas pour cette cérémonie sur la Journée internationale de la femme qui s'est célébrée au Bunet à travers des causeries éducatives avec pour thématique tirer parti du leadership féminin pour renforcer la performance du Bunet. En effet, chaque année, la Journée internationale de la femme est une occasion de s'interroger sur la contribution de la femme dans la construction de notre société et à la résolution des problèmes cruciaux auxquels elle fait face, notamment le sous-enregistrement de l'état civil. Cette journée qui vise à promouvoir le rôle de la femme permet de réfléchir sur les actions concrètes à mener pour renforcer l'égalité homme-femme et consolider le leadership féminin. Au Bunet, des résultats tangibles peuvent être relevés. On peut citer une forte représentativité de la femme au sein du personnel, soit 218 femmes sur 436 personnels pour un pourcentage de 50%, un équilibre du genre assuré dans la gestion des projets. On dénombre 7 projets
dont 6 sont dirigées par des femmes, pour un pourcentage de 85,71%. En pôle de formateurs, composé de 10 femmes sur 24 formateurs, soit un pourcentage de 41,66%, une prise en charge égalitaire dans l'encadrement des personnes face à la résurgence de la COVID-19. Pour revenir à la thématique inscrite à l'ordre du jour de ces échanges, la célébration du rôle de la femme dans l'état civil, il y a lieu de souligner le rôle majeur de la femme, notamment dans la déclaration des faits d'état civil. En effet, la femme se situe à l'origine de la vie et se trouve être actrice dans la survenance des faits d'état civil. Chers invités, je voudrais saisir cette opportunité au nom du directeur général du Bénin pour interpeller le leadership féminin, pour accompagner le Bénin aux actions de sensibilisation des acteurs de l'état civil et des populations en général sur l'importance de la déclaration des faits d'état civil dans les délais légaux prescrits par la loi. On peut noter les naissances, les mariages et les décès comme faits d'état civil. Vive la Journée internationale de la femme, vive l'état civil du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence Paul Biya, président de la République. Je vous remercie. Merci Sophie. Je vous donne les mots. Actrice dans les événements d'état civil. Donc, elle est la première à déclarer la naissance de son enfant pour que cet enfant ne soit pas privé des droits y afférents à l'acte de naissance. Nous demandons donc à toutes les femmes, quel que soit leur rang social, de déjà sensibiliser celles qui ne connaissent pas l'importance de l'acte de naissance et autour d'elles, essayer d'éduquer dans leur famille, dans leur voisinage. Maintenant, on demande à la femme d'être le leader de cette sensibilisation, de prendre les devants, de ne plus attendre que ce soit l'homme qui aille déclarer la naissance parce que l'enfant déjà appartient à l'enfant. Est-ce qu'on a quelques statistiques en la matière sur la difficulté d'accès à l'acte d'état civil, parce précédemment à l'acte de naissance, par exemple. Est-ce que la situation est aussi préoccupante que ça? Avant la création du BUNEC, on dirait que les taux étaient très bas, mais nous sommes, je dirais, à 62% du taux d'enregistrement de naissance. Donc nous travaillons encore avec les acteurs dans le cadre de la sensibilisation, des formations, de l'éducation pour que chacun s'approprie déjà son rôle et qu'il sache l'importance qu'il y a à dresser l'acte à un enfant. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Il y a la méconnaissance des textes, il y a l'ignorance. Je peux dire que c'est les deux points qui ne permettent pas qu'on avance vraiment.